Salut Yann. Salut. Bonjour Yann. Bonjour Yann. Ça va bien? Oui. T'as le plat mérite, hein? Oui. Yann Joseph, sur l'équipe d'étoiles. Enseignement, comment tu as trouvé le match aujourd'hui? Assez ardu, hein? Ah, c'était un match avec émotion. Quand tu fais un back-to-back là, contre la même équipe, là, ça fait... Ça me passe aussi, on a eu beaucoup d'émotions. En fin de semaine, là, le vendredi là-bas, c'était un gros match. C'est un gros match, j'ai l'air qu'on a perdu. Mais l'émotion était là, je pense que les partisans ont apprécié. Nous, on va pouvoir se préparer pour les prochains matchs en troisième période pour être plus fort. Mais je pense que ça s'envisage bien pour les playoffs. Oui, parce que vous avez quand même une forte équipe. Hein? On s'est vraiment renforcé de la semaine. On a comblé nos lacunes, on a du toughness, on s'est renforcé à défense. À l'attaque, on est bien équilibré. Je pense qu'on a une belle équipe pour aller loin en série. Avec un bon gardien, les filets. Oui, tout le monde le sait, Marco Cousino, c'est probablement le meilleur gardien de la Ligue. Donc, c'est sûr que ça nous aide en série. Si tu es un bon gardien, tu peux aller loin. Oui, puis en effet, puis je voulais te dire, tu sais, des fois, je t'appelle le tournoi de bâton. J'espère que ça ne te dérange pas trop. Ben non, je ne sais pas si tu as regardé le face-off. À soir, je pense que j'ai fini à 80%. Fait que ça mélange notre équipe. Fait que j'aime bien ça. Effectivement, tu es un de la meilleure, avec la meilleure efficacité au niveau des mises en jeu. Ça, je te l'accorde. Merci. Fait que je conclue mon entrevue là-dessus. Je te laisse aller te reposer. Tu as eu un gros match. Merci, Dan. Merci beaucoup, Yann. Merci. Plaisir. Merci.